Good morning, Alaïd et Nessus sera aujourd'hui. L'Elohim Nishmat Roset Zohar Abat Sultana, Maurice Moshe Ben Sultana, Moshe Michel Ben Aline Bachla Rachel, David Ben Fortuna Mazal Fritna et Claude Shlomo Ben Shalom, si vous souhaitez, et Lucien Bat Raina. Et si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, comptez 25 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Sota, Perek Gimel, Mishnah Aleph. Haya notel et minchata, mitor kfifa mitzit, venotna letor klisharet, venotna al yada. De Kohen maniach yado mitartea ou manifa. Mishnah un peu simple, mais je rappelle d'abord quelques points essentiels parce que on a eu un problème dans les Mishnayot en fait. J'ai pris longtemps pour commencer les Shiur d'ailleurs, parce que j'ai senti qu'il y avait un problème, que ça manquait, et effectivement, ça manque. Le rituel de la Sota, vous vous rappelez, comment ça se passe essentiellement? Il y a quatre points à faire qu'elle doit faire. D'une part, elle doit porter la mincha, d'autre part, on doit la faire jurer. D'autre part, on doit préparer l'eau et bien évidemment la faire boire, l'eau de la sota. La question est de savoir dans quel ordre on fait ces quatre éléments. Et on avait déjà eu dans le Perek précédent, première Mishnah, Perekvet Mishnah Aleph, on avait exposé le rituel, dans quel ordre ça se passe. Il y aura des machlokot comme ce qu'on va découvrir. Mais il y a quelque chose qui est passé à l'as en fait. C'était, jusqu'à maintenant, nous ce qu'on a vu, c'était que, bon, il y avait dans le Perek Aleph, on faisait honte à la femme, on la méprisait, on lui déchirait ses vêtements et tout ça. Après, elle devait déjà porter sa mincha. Pour le moment, elle était dans un panier méprisant, de nouveau. Et le Kohen, après, on avait vu que le Kohen, il doit commencer à remplir l'eau et à écrire la Megillah. Il nous manquait quelque chose d'essentiel, c'était qu'il devait la faire jurer. Et il doit faire jurer la femme. Avant d'écrire la Megillah, quoi qu'il arrive, avant d'écrire la Megillah de la Sota, il doit d'abord faire jurer la femme. Après, il va écrire et il va effacer dans l'eau. Ce qu'on a vu pour le moment, concrètement, donc en fait, si on fait une petite rétrospective du Perek Bet, ce qu'on a vu, c'est que pour le moment, elle a amené la mincha, mais la mincha, on ne l'a pas encore mis. La mincha, c'est l'oblation. Elle ne l'a pas encore mis pour le moment dans le Kli Charet, elle est juste dans un panier méprisant. Le Kohen, il a déjà rempli l'eau, il a déjà mélangé la terre. On avait vu que le Kohen, il a déjà écrit la Megillah, mais il nous manque le truc essentiel. C'est qu'il a d'abord fait jurer la femme et qu'il a même effacé l'eau. D'accord? Il a effacé dans l'eau. Ça, maintenant, quand effacer, ça va déjà peut-être une petite discussion dans la prochaine Mishnah, si je ne me trompe pas. Non. On reverra plus. Il y aura quelques petites allusions par-ci par-là. Mais pour le moment, donc en fait, on n'a pas écrit qu'on a fait jurer. Mais quoi qu'il arrive, quand il y avait écrit dans la Mishnah, Perek Bet Mishnah He, qui avait écrit que dans Perek Bet Mishnah Gimel, que le Kohen écrivait, avant d'écrire, il avait déjà fait jurer la femme. En fait, on a vu dans la Mishnah et que la Mishnah m'a dit sur quoi elle répond Amen. Et 2 minutes, elle dit Amen, Amen, pour accepter la joie, ça veut dire qu'on l'a déjà fait durer. Ou tu m'as dit qu'il fallait faire jurer. C'est écrit nulle part dans la Mishnah qu'il fallait faire jurer la femme. C'est étonnant, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Maintenant, rétroactivement, j'ai compris mieux qu'il y a un Tosfot au début du Perek Bet qui soulève la problématique de l'enchaînement du Mishnah. Ça veut dire qu'on étudie dans la Gemara, qu'on est au début du Perek Bet, on n'a pas encore vu la problématique, comment ça va s'exprimer dans le Mishnayot. Et concrètement, l'ordre, il est comme ce qu'on a expliqué pour le moment. Et voilà, donc on a déjà fait jurer la femme, on a déjà écrit la Megillah. Est-ce qu'on l'a effacée? Je pense que le Tana de la Mishnah, il pense qu'on l'a déjà effacée au moment où on l'a écrite. On l'a fait jurer auparavant, après on l'a effacée. Et maintenant, on va commencer à procéder à être makriv la mincha. C'est-à-dire, offrir la mincha sur le Mizbeach. Concrètement, il y a la femme, elle apporte une mincha d'orge, de séora. Et comme toutes les menachot qu'on apporte, une fois qu'on l'apporte de chez soi à la maison, il faut la mettre dans un klisharet, dans un ustensile du Beth Amikdash en or, en argent, que dès qu'on va le mettre dedans, ça va devenir kadosh. Le Kohen, il doit prendre ça. On va faire dans l'ordre, si vous vous rappelez, depuis menachot, ça monte il y a un petit peu longtemps, qu'on avait appris que lorsqu'on reçoit la mincha, le Kohen, il doit faire la hagasha, la porter devant le Mizbeach, la poser, la mettre. Comme si on apporte une offrande, on y regarde Hachem, qui lui rôle, on la porte contre le Mizbeach, après le Kohen de la prendre, il doit prendre la kmitza, la pincer avec les trois doigts, la faire brûler au Mizbeach, et après, les Kohanim pourront manger la mincha. Alors, même principe avec la mincha de la Sota, ça se passe comme ça aussi, et donc, le Aya notel et minchata, là on parle que le mari, la femme elle tenait dans le panier, la mincha, on a dit un panier méprisant, et pas quelque chose de luxueux, pas quelque chose de propre, d'accord, comme un sac plastique binon, qui ne donne pas
C'est de nouveau, c'est le même principe toujours, pour être machpil au maximum, comme ça, on va lui briser son moral jusqu'à que si elle a faute, elle va reconnaître. C'est le but. Maintenant, le mari, Ayanotel et Minchata, il prend la mincha, mitor kfifa mitzrit, qui était dans le panier, venotna l'etor klisharet, il la donne au Kohen pour que le Kohen la mette dans un klisharet. Il donne le klisharet, donc c'est un ustensile cette fois-ci en or ou en argent, comme tous les ustensiles qui trouvent dans le Mikdash. Venotna aliyada, et le Kohen, il reprend l'ustensile où il y a dedans maintenant, là, on a mis dedans l'orge, la farine d'orge, on lui remet dans les mains maintenant dans la femme, et quoi? Vekohen maniach yado mitartea ou menifa, et le Kohen, il devait ensuite mettre ses mains et être menif avec la femme en même temps. Dans les menachot, il y a certaines menachot qu'il faut faire la tenoufa, le balancement. Ouais, mevi, molich mevi, mevi, comme ce qu'on fait avec le loulav, c'est déduit de la mincha, on le fait dans toutes les directions. Je pense qu'au Bet-Gunach, c'est suffisant de faire une seule direction. Il la porte et on se lève, c'est déduit comme les korban shlamim. Il y a une xera shava qui nous rapporte le bar tanoura, la karko de miyad aisha, yad yad mishlamim. On apprend qu'en fait, donc, tout balancement qu'on fait, il y a le propriétaire qui tient l'ustensile et le Kohen qui met ses mains en dessous et ensemble ils font la tnoufa. D'accord? C'est comme ça qu'on fait la tnoufa et on commencera dans la prochaine Mishnah, Bezrat Hashem, on continuera dans la prochaine Mishnah la suite de la akrava de la mincha. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.